Elle est comment, Yacine, la mer? Elle est un peu... Elle est plus froide, mais il y a des vagues. Elle est froide et il y a des vagues? Oui, c'est des petites vagues. Oui, il y a des petites vagues et après il y a des grosses vagues. On va faire des petites courses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça s'interdit, mais c'est égal? Je sais pas. Rien de signification. Les anciennes, vous vous rappelez des bonbons à la pêche? Les petits cœurs à la pêche. Ben, j'ai acheté ceux-là. Apparemment, c'est une nouvelle recette, encore plus fruitée ou... non, avec du jus de fruits. Mais franchement, ils sont mais super bons. Tellement parfumés, tellement fruités, j'ai envie de dire. C'est de la balle. En deux jours, j'ai terminé le paquet. En même temps, c'est des tout petits paquets, il n'y a pas grand-chose dedans. Je crois que je vais en acheter et en ramener avec moi en France. Et là, on est revenu du Dubai Mall. On a acheté des cookies. Et en fait, à chaque fois que je viens ici, je passe chez eux pour acheter des cookies. Ils sont vraiment, vraiment bons. Je vais laisser pour demain matin au petit-déj, puisque là, j'ai pas vraiment faim. Celui-là, il est au chocolat noir. Et celui-là, chocolat blanc et noix de macadamia. Et franchement, si vous venez là, il faut les goûter. Il faut les essayer parce que franchement, ça vaut le détour. Ils sont pas donnés, mais ça vaut le détour. C'est 4 euros pièce, je crois. 3-4 euros pièce. Mais c'est des gros gâteaux. Maman. Oui, voilà. Oui, mon cœur. Ah ouais. Et toujours nos courses. On est parti acheter de l'eau parce que, voilà quoi, l'eau c'est la vie. Il n'y avait plus d'eau. Non, il n'y avait plus d'eau. Papa, il l'a mis dans le frigo, là, il n'y a pas longtemps. On est parti acheter des petits paquets de chips. Alors, Dalia, elle adore ça. Mais mon cœur. Est-ce qu'il peut donner... Il veut boire de l'eau, là, elle va là. Donc, Dalia, elle adore ces paquets de chips. Et ils font 1 dirham. Donc, 25 centimes d'euros. Et ça, c'est parfait pour amener à la plage. C'est vrai, ils sont un peu plus chers. Ils font 2 dirhams. Voilà. Ils sont vraiment très très bons. Ça c'est pour Yas. Et voilà, sinon on a... Après, j'ai acheté en double. Et sinon, ah non, j'ai acheté celui-là. J'ai acheté celui-là, saveur labné et mint. Et menthe, on va voir ce que ça donne. Et j'ai pris des Cheetos au fromage. Et sinon, oui, j'ai pris ça. On va goûter, on va voir ce que ça donne. En fait, ça s'appelle une Florentine aux cacahuètes. On va voir ce que ça donne. Je vais goûter. Ça a l'air d'être du miel, en fait. Papa, je t'aime bien, on va faire ça. Je vous dirai tout ça. Bon, Yas, quoi de neuf? Faire toutes les bouteilles. Il
Il fait une crise pour parler et après il parle plus. Vas-y, bois ta bouteille et après je te mets. Ouais, donc on est très fatigués. C'est des journées intenses. On essaie de garder un rythme plutôt raisonnable pour les enfants, c'est-à-dire raisonnable, pas passer des journées dehors et rentrer hyper tard. Dalia veut venir faire coucou. Coucou maman. Moi. Coucou. Moi je vais voir, je vais faire pipi. Ok. Papa. Ok. Papa. On essaie d'avoir des journées plutôt convenables pour les enfants, c'est-à-dire de rentrer à l'hôtel, de leur faire des siestes et tout ça. Et malgré ça, c'est pas évident parce qu'ils sont hyper fatigués, bah, avec la chaleur, on passe pas mal de temps dans les bouchons. Parce que ce qu'il faut savoir à Dubaï, c'est que il y a tout le temps des bouchons, hein Yas ? On peut pas trop esquiver les bouchons et voilà. Sinon, on essaie tant bien que mal de tenir le programme que j'ai fait. Programme, j'ai surtout mis des endroits qu'on devait visiter, des endroits qu'on devait voir, qu'on n'a pas vu. Et qu'on va peut-être pas voir, ouais. C'est un programme, voilà quoi, c'est histoire de se donner des idées où aller, où bouger. Après, si on les fait pas, il n'y a pas de problème, ce sera pour une autre fois. Voilà, voilou, donc il est quelle heure? 23h14. Tout le monde va se débarbouiller et on va aller faire un gros dodo. Mais dis-toi qu'en France, il est 19h14, quoi. Et en France, c'est 19h14. Mais nous, on est à la ramasse ici, hein, quand même. Oui. On n'arrive pas à se caler encore sur les heures d'ici. Ah si, ça va, il est 23h14, on est calé. Coucou. Ouais, mais bon. Le matin, on n'arrive pas à se lever. Le matin, t'as vu la nuit qu'on passe? Ouais, c'est vrai que... Nous, il était malade la nuit passée, donc... C'était pas terrible. Et Dalia, elle tousse un petit peu aussi. Enfin bref, voilà, c'était pour te donner un petit compte-rendu de la journée. Malgré ça, on passe de très très belles journées. On est très très content d'être ici, comme d'habitude. Il fait très beau, très chaud, c'est tout ce qu'on aime. Et les petits s'amusent, ils s'éclatent. Sur ce, bonne nuit. Yas ? À demain, on va faire un gros dodo. Je sais pas comment on va dormir, mais... En espérant que ce soit une nuit paisible, calme, et que les petits soient KO, quoi. Et je vous dis à demain. Hello, bienvenue dans un nouveau vlog, ou plutôt une nouvelle journée. Journée 7. Aujourd'hui, c'est un peu une journée off, j'ai envie de dire. Ah, yes. Ouais. Et on s'est réveillé, le ciel est très nuageux. Et de toute façon, hier, on avait déjà prévu de ne pas aller à la plage aujourd'hui parce que aller à la plage, ça prend beaucoup de temps. Les enfants sont fatigués après et tout ça, donc il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. Et en plus, aujourd'hui, on a quelque chose d'important à faire, c'est choisir un hôtel parce qu'en fait, il nous reste 5 nuits dans notre séjour où on n'a pas pris d'hôtel parce que on aime bien changer d'endroit pendant nos vacances. On vient ici 15 jours, enfin 15 nuits, et voilà, on aime bien séparer un petit peu, aller voir un petit peu ailleurs. Et donc on a 2-3 sélections et on va essayer de voir où on va aller. On vous emmène avec nous. Petit appart ici, c'est sympa. Moi j'aime bien là. C'est bien là. Joli petit quartier. Il est là. Mais c'est pas la bonne entrée. Faire le tour. Ouais. Oui, ici.
Bah ici c'est terminé, c'est du mosquée là. C'est terminé. Il est juste derrière. On est à l'hôtel ici, à la réception, il y a une dame en cuisine suissesse qui parle français. Elle va nous faire visiter un petit peu pour être sûre, pour être sûre d'avoir ce qu'on attend en fait pour les enfants, d'avoir une piscine accessible pour les enfants et tout ça. Donc voilà, la réception elle est super jolie et tout ça, mais là on va aller voir la chambre. Oui, donc on vient de visiter l'hôtel complètement plus la chambre. En fait j'ai pas pu filmer parce que la manageuse qui nous a fait visiter attendez, je vous montre la belle voiture que Kinous regarde. Hein Kinous? Oui. Elle est belle? Oui. T'as envie d'en avoir une comme ça? Oui. Oui, alors faut travailler dur. Donc oui, l'hôtel vient de célébrer sa première année d'ouverture. Donc c'est récent, c'est propre, c'est neuf. Et on a des très belles chambres familiales où en fait on a une pièce avec un salon, un petit salon. On a un beau petit salon avec un canapé lit. Et ce canapé lit, ce sera donc où Kinous pour aller dormir. Oui, maintenant on va au Mercure. Et de l'autre côté, on a une chambre et en fait... une chambre donc classique avec le lit double et il y a deux entrées, donc il y a l'entrée par le salon et l'entrée par la chambre et il y a deux salles de bain, donc il y a une salle de douche du côté où il y a le canapé et une salle de bain. Enfin bon, si on décide d'aller dans cet hôtel là, je vous montrerai tout bien sûr. Et sinon on a visité la piscine, alors voilà, on va dire que c'est un peu le défaut qu'on aimerait relever dans cet hôtel-là. C'est que la piscine, elle n'est pas très grande pour la capacité de l'hôtel. Et voilà, il y avait déjà un petit peu de monde. Il y avait de la place encore, mais il y avait déjà du monde. Et il est midi. Voilà. Sinon, après la salle de restaurant, très jolie, très grande. C'est très très chic, très moderne. Et en même temps contemporain. Enfin, voilà, on aime beaucoup. On a été très bien accueillis, très bien traités, ça c'était génial, mais bon ça c'est complètement en Dubaï, on s'occupe super bien de vous, tout le temps, partout, où que vous soyez, quoi que vous demandiez, que vous soyez en famille, en couple, solo, tout le monde s'occupe tout le temps bien de vous. Ah, yes. Ça c'est bien typique d'ici et c'est aussi un des points qu'on adore et qu'on dit tout le temps à tout le monde. Ce qu'on aime ici, c'est qu'on s'occupe super bien de nous tout le temps. Donc voilà, maintenant on va... alors là, on était dans le quartier de Al Barsha, donc à côté du Mall of Emirates, pour vous situer. C'est plutôt dans le sud de Dubaï. Et là, on va plutôt direction le nord. Et on va à l'hôtel Mercure. C'est un hôtel dans lequel on a déjà séjourné deux fois. Une première fois, on a adoré, kiffé, c'était super bien. C'est plutôt un petit hôtel en fait. Et la deuxième fois où on est allé, bah, on n'a pas trop aimé. On a eu des petits problèmes au niveau du service, la qualité de la chambre. Il y avait le placard qui était un peu cassé. Voilà, on avait eu quelques... Bon. Mais on a tellement aimé qu'on va dire que ça prend le dessus et que du coup, on va voir ici ce qu'ils peuvent nous proposer au niveau du tarif pour... donc les 5 nuits qui va nous rester ici à Dubaï. En sachant qu'on doit prendre une chambre double, donc pour deux personnes, avec un lit supplémentaire pour Kinous et un lit bébé, mais le lit bébé c'est complémentaire, c'est gratuit. Du coup, voilà, je vous emmène avec nous. Là, il est bien, mais la piscine elle est indoor, donc pas de soleil, pas de voilà, il n'y a même pas une terrasse ou quoi que ce soit. Donc et en plus de ça, ouais,
Il y a pas de... Enfin, si, il y a un lit pour Kinous, mais c'est compté en plus. Mais voilà, sinon, dans les tarifs, on s'y retrouve. Hein, c'est plus ou moins le même tarif. Et nous, on va donc maintenant à cet hôtel-là, l'hôtel Mercure. On va aller demander ce qu'ils nous proposent comme tarif pour 5 nuits. Regarde la promo du McDo là. 68 dirhams. Oh, on est arrivé au feu rouge tellement. Il est mort derrière. Yes. Derrière les affres. Tu fais la gueule. Presque c'est normal. Oh, pour 68 dirhams, il y a 4 frites, 4 boissons. Ah, c'est ça, il y avait 4 boissons. Ouais. Des nuggets, un hamburger, un Big Mac et 2 chicken burgers, je sais pas quoi. Pour 68 dirhams. Ça fait combien 68 dirhams? Bah nous on paye, ça fait... nous on paye 53 à peu près. 15 euros, non? Ouais, parce que moi je mange jamais à ma faim. 15 euros? Tu manges jamais à ta faim? Je crois que depuis que je suis arrivé ici j'ai maigri. Smatou, il a maigri. Non mais j'ai remarqué, j'ai maigri. Il reste que la peau qui pend. C'est bizarre. T'as dit quoi toi? Hein? T'as mal à la peau? Parce que tu t'as mal mordu. À la peau? Ah, hier, tu m'as pas dit de te mettre un peu de crème ici. Il avait les lèvres gercées. Comme ouais, il avait le nez qui coulait et tout ça, c'était tout desséché là. Oui, donc on est parti voir l'hôtel et la manageuse nous a accueillis et elle a dit qu'elle allait nous envoyer un email pour nous donner le meilleur prix. Donc on verra. Elle m'a demandé. Vas-y, la force. Notre nom et tout ça, quand voilà, on était passé la dernière fois dessus, et tout. Voilà. Et comme ça, quand il y aura voilà. À voir, on mettra là pour qu'il nous... On va voir, et ce sera entre le Mercure et le Trip by Windham à El Barsha. Ce sera le prix le plus intéressant, parce que les deux hôtels nous plaisent. Voilà, voilà, je vous tiendrai au courant. Et là, on va manger. Il est en train de me klaxonner pour que j'avance, pour que je me prépare. Il klaxonne déjà, ouais, pour lui dire. Au lieu de parler, là. Au lieu de parler à la caméra, là. Non mais il y a de la chance, c'est pas en France. Hein. Les gens ils descendent. Les gens ils descendent. Arrête, les gens ils descendent. Tu comptes descendre de la voiture là, faire comme ça ou quoi? Bah non, ici non. C'est parce que c'est midi et deux. Peut-être que monsieur aussi. Il est pressé là. J'ai pas de travail. Il va retourner ici. Travailler. C'est pas mon problème. Tu manges quoi de bien? La viande, les frites. Comme une petite miskina là dans une barquette là. Qui nous aussi mange son burger. Et moi j'ai commandé un kebab. Et Yas, c'est en train de sonner là. C'est du riz avec des crevettes. Oui. T'as vu, on ne peut pas faire riz parce que c'est la semaine. Oui. Là-bas.